Studio Domitis qui s'est aujourd'hui installé à Rennes. Nous remercions les équipes et les résidents qui nous accueillent aujourd'hui chez eux dans cette belle résidence Domitis Lauré-des-Bois. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale de lutte pour le droit des femmes, nous allons parler des grandes avancées sociétales des Françaises qui ont eu lieu depuis le XXe siècle grâce aux grands mouvements féministes. Et pour ce faire, pour nous éclairer sur ce sujet, nous recevons aujourd'hui une doctorante en histoire. Bonjour Hélène Klein. Bonjour. Donc vous êtes doctorante. Votre thèse porte sur le vécu corporel féminin depuis 1950, que vous appelez la charge corporelle féminine, avec une perspective à la fois historique et sociologique. Merci vraiment d'être parmi nous aujourd'hui. Vous allez nous parler aujourd'hui de l'émancipation des femmes à travers les lois, mais aussi l'évolution des vêtements et du langage. Tout à fait, bonjour et merci de m'accueillir ici, c'est vraiment un plaisir. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, euh, on parlera du féminisme, de cette évolution euh, des droits des femmes dans le cadre de cette journée du 8 mars. Et euh, je suis vraiment ravie d'être là parce que euh, vous êtes cette génération en fait euh, qui a connu euh, ce 20e siècle et toutes ces évolutions sociétales pour les droits des femmes. Alors que moi j'ai 25 ans euh, ces événements-là, je ne enfin, les ai pas connus. Euh, je les ai lus seulement dans les livres ou au travers de témoignages. Donc, je suis d'autant plus ravie d'être là et de pouvoir échanger avec vous euh, après, au travers des questions. Euh, donc, ici, effectivement, nous verrons dans cette présentation-là, euh, cette avancée pour les droits des femmes, euh, que cette avancée elle peut aussi bien se faire au travers de grandes étapes historiquement reconnues, au travers des lois ou d'événements reconnus mais aussi au travers de processus plus imperceptibles, au travers du corps, des vêtements et même du langage. Donc tout d'abord, la première partie sera relative aux grandes avancées sociétales, au travers des lois, des événements, certains acteurs et actrices importants. Euh, mais également dans la seconde partie, nous verrons l'importance du corps au travers euh, de cette évolution de la mode vestimentaire pour les femmes. Et enfin, nous verrons euh, l'art du langage ou comment l'art du langage en fait, permet également de faire évoluer les représentations et les normes concernant ce système de genre.. Nous allons démarrer avec euh, bah, ces grandes avancées sociétales justement. Euh, de ces lois, de ces événements-là, euh, dans des domaines aussi variés que la famille, la sexualité, mais aussi l'école, le travail, tout au long de ce XXe siècle. Et pour ce faire, pour cette partie-là, alors je m'inspirerai et je me fonderai euh, sur différents travaux euh, de chercheurs et chercheuses comme Anne-Marie Saune, Rosemarie Lagrave, Christine Barre, Françoise Pic, Françoise Héritier, Florence Rochefort, Anne-Claire Ebrienne, Bibia Pavard, Catherine Achin et Delphine Audier, et aussi Michel Bozon. Euh, donc tout d'abord, si on revient au début du XXe siècle, eh ben, la considération euh, des femmes et de leur statut euh, de citoyen est loin d'être acquis puisque nous avons encore affaire au code napoléonien, le code civil de 1804, qui euh, reconnaît les femmes en fait en tant que mineures. Et donc elles sont sous tutelle masculine, que ce soit de leur père quand elles ne sont pas mariées, et une fois mariées de leur époux. Euh, mais progressivement, les choses vont changer. Et euh, on a déjà une première mesure en 1907 qui permet justement aux femmes de disposer librement de leur salaire. Après, en 1920, on a une loi qui permet à toute femme d'adhérer à un syndicat sans euh, autorisation de leur mari. Et puis les mœurs aussi, au-delà des lois, vont évoluer puisque dans l'entre-deux-guerres, on a progressivement une règle, une, une norme, pardon, qui s'installe, qui est celle du libre choix du conjoint. Ce ne sont plus euh, des mariages arrangés où les familles imposent les mariages, même si on cherche quand même l'approbation des parents. Euh, progressivement, on a un libre choix du conjoint qui s'effectue par les époux. Et puis le vote euh, qu'on peut prendre comme un élément marquant d'une reconnaissance du statut de citoyen euh, pour les femmes, et ben, on voit que justement ces normes changent puisque on a déjà en le 8 mai 1919 la Chambre des députés qui propose euh, le droit de vote aux femmes sans restriction. Euh, malheureusement, euh, ça va être proposé au Sénat. Les débats vont s'enliser et au final, le Sénat va rejeter. Euh, ce droit de vote pour les femmes en 1922, euh, parce qu'ils avaient tout simplement peur d'une prise d'influence de l'Église au travers du vote féminin. Euh, donc voilà, les choses évoluent. Euh, on peut parler du domaine scolaire au début de ce siècle-là, avec le décret du 25 mars 1924, euh, qui s'intitule L'identification des programmes masculins et féminins. Euh, L'objectif, c'est de rendre, en fait, tout simplement, les programmes scolaires plus laïcs et moins sexistes. Donc, c'est un objectif tout à fait honorable. Euh, mais malheureusement, euh, ce qui est plus implicite, euh, c'est que euh, finalement, on continue quand même d'encourager les filles à finir beaucoup plus précocement que les garçons euh, l'école, avec le certificat euh, d'études primaires, mais aussi le diplôme de fin d'études secondaires. Et euh, on continue aussi à inculquer des dispositions aux filles. Euh, pour s'orienter vers des métiers liés au service des autres. Et c'est pour ça qu'on retrouve énormément de filles en école normale d'institutrice ou en école d'infirmière. Et puis au niveau du marché de l'emploi, les années 30 euh, connaissent une croissance de l'emploi féminin euh, assez marquante, avec euh, notamment euh, les emplois dans le service public et euh, les banques et assurances qui embauchent euh, les femmes. Et ce n'est pas à Doda, en fait, c'est une volonté euh, politique en fait, d'orienter euh, les hommes vers des métiers plus actifs, donc de laisser la place aux femmes, et euh, d'orienter euh, les femmes vers ces métiers passifs. Euh, donc, même s'il y a une croissance d'emploi, de elle reste tout de même cantonnée et limitée à certains secteurs. Et en même temps, même si la présence des femmes sur le marché de l'emploi est de plus en plus marquée, est-ce que leurs droits évoluent en termes de droits civiques alors tout à fait, effectivement, euh, on a une loi marquante qui est celle du 18 février 1938. Qui est tout simplement la suppression de l'incapacité civile des femmes. Alors, c'est à ce moment-là qu'elles vont pouvoir ouvrir un compte en banque, elles vont pouvoir passer des études, passer des examens, euh, voilà, donc euh, demander un passeport. Donc, on a toutes ces démarches administratives qui sont autorisées. Mais la loi est une chose, la théorie est une chose, et la pratique en est une autre, puisque euh, finalement, dans les textes, le mari reste quand même le chef de famille. Il garde donc totalement les pleins pouvoirs sur le métier et les biens de sa femme. Donc il faudra attendre 1965 et on le verra après pour que les choses changent et se mettent vraiment en pratique. Euh, une date importante que tout le monde connaît, c'est le 21 avril 1944. Où effectivement, on a le droit de vote euh, des femmes qui est enfin voté. Deux ans plus tard, l'égalité des sexes euh, s'inscrit dans la Constitution française. Donc voilà, les choses évoluent et changent au niveau de la loi. Mais il faut pas oublier qu'il y a des œuvres culturelles qui vont également... Faire évoluer les choses. On a en 1949 le deuxième sexe de Simone de Beauvoir qui met en avant et critique, met en lumière toutes les représentations et les mythologies liées au féminin. Donc ça, ça fait changer évoluer les mentalités également. Et enfin, dans les années 60, on peut parler progressivement d'une acquisition d'une complète citoyenneté puisqu'on a, comme on l'a dit avant, en 1965, la réforme des régimes matrimoniaux où les femmes vont effectivement pouvoir ouvrir un compte en banque et exercer la profession qu'elle souhaite. Et puis la loi du 4 juin 1970, qui est une loi au niveau des familles qui est essentielle puisqu'elle permet de remplacer l'autorité paternelle par l'autorité parentale. Et donc de, au niveau des droits de la famille et des enfants, l'homme et la femme sont alors sur un pied d'égalité. Et vous parlez des décennies 60, 70. Ce sont des décennies qui sont connues aussi pour l'émancipation corporelle, la liberté sexuelle des femmes. Y a-t-il eu des événements clés euh, liées à cette émancipation Alors effectivement, oui, Alors les années 60 euh, sont totalement marquées par ces émancipa cette émancipation corporelle. Euh, alors, comme vous parlez d'événements marquants, oui, il y a effectivement deux lois qui sont euh, marquantes dans cette décennie-là et dans la décennie suivante. C'est la loi Neuwirth de 1967 qui autorise euh, et légalise l'accès à la contraception. Euh, alors, ça prendra un peu euh, des difficultés au niveau de l'accès des mineurs, donc c'est pour ça qu'elle est complétée par une loi ensuite en 74. Euh, et ça, cette loi Neuwirth, en fait, elle est permise notamment grâce à l'action en fait, de l'Association de la Maternité Heureuse, plus connue plus tard sous le nom qu'elle prendra en 1960, du Mouvement pour le Planning Familial. Et puis, la seconde loi euh, marquante pour cette émancipation corporelle féminine, c'est bien sûr la loi Veil. Euh, cette loi Veil de janvier 1975 permise par euh, la ministre de la Santé à l'époque, qui est Simone Veil. Euh, et donc, à ce moment-là, l'avortement, en fait, il est autorisé jusqu'à la dixième semaine de grossesse. Mais cette loi, elle n'est pas sortie de nulle part. Il a fallu un long processus, un long cheminement pour qu'elle soit acceptée et votée finalement dans cette société française. Et c'est grâce à différents jalons, différentes étapes euh, qui vont se mettre en place dans cette décennie de, des années 70. On a déjà en avril 1971 euh, un premier événement qui est euh, la publication dans le magazine du Nouvel Observateur du manifeste des 343. Alors en fait, c'est euh, 343 femmes qui ont signé une pétition disant euh, ⁇ J'ai avorté ⁇ et là-dedans, on aura des personnalités artistiques, culturelles, politiques qui vont signer de leur nom. Elles seront pas anonymes. Et puis d'autres femmes qui sont moins connues vont signer ça. Elles seront 343. Et à ce moment-là, en 1971, il faut savoir qu'elles risquent des sanctions pénales, puisque l'avortement n'est pas dépénalisé à ce moment-là. Et donc, elles risquent des poursuites. Mais elles osent quand même signer et publier cette pétition-là. Ensuite, en, en 72, on a un procès important avec Gisèle Halimi qui est décédée il y a peu, euh, où on a en fait une fille qui euh, est poursuivie euh, dans le cadre d'un délit d'avortement. À ce moment-là, c'était considéré comme un délit. Et sa mère qui euh, l'aurait aidée à avorter. Gisèle Halimi, en tant qu'avocate, va euh, sensibiliser en fait et médiatiser euh, cette affaire-là pour sensibiliser l'opinion publique vis-à-vis -vis de cette question de l'avortement. Et puis en 1973, un autre événement qui permet l'aboutissement de cette loi, c'est la création du MLAC, c'est-à-dire du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et en fait, ce sont tous ces processus qui ont fini par aboutir à cette loi pour l'avortement, qui autorise l'avortement, qui permet aux femmes, enfin, de pouvoir choisir si elles enfantent ou pas, avec la loi Nevire, bien sûr. Euh, ces deux lois, donc pour choisir leur conjoint, choisir si elles souhaitent enfanter ou pas, le nombre de leurs enfants. Donc c'est deux lois assez marquantes euh, dans ces décennies-là, effectivement. Et est-ce que les femmes manifestaient à cette époque dans la rue Est-ce qu'elles sortaient Alors effectivement, c'est une très bonne question, puisque euh, dans ces années 70, c'est une manifestation qui va marquer le début d'un mouvement féministe très connu qui est le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes. Et à partir de ce moment-là, on peut parler d'une deuxième vague de féminisme. Et notamment avec ce 26 août 1970, où on a, en écho à la marche aux États-Unis pour le 50e anniversaire du droit de vote féminin, on a des femmes françaises qui vont, elles, en tant qu'activistes, se réunir pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, euh, en arborant une pancarte sur laquelle est écrite, plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Et effectivement, c'est vraiment pour dénoncer en fait, toute cette invisibilité des femmes euh, dans la société française euh, dans ces années-là. Et euh, finalement, ces Alors, la presse va euh, nommer ce mouvement le mouvement de libération des femmes. Ce pas les activistes elles-mêmes qui vont se dénommer comme ça, c'est la presse. Et ces évolutions, elles ne vont pas euh, que seulement euh, se restreindre au militantisme. Les femmes, dans tout milieu, vont être touchées par ces évolutions de la société. Euh, on a un exemple assez euh, marquant qui est celui des démonstratrices tupperware en fait. C'est des femmes donc, qui vont euh, démontrer et essayer de vendre euh, le tupperware qui est innovateur à l'époque. Et donc elles vont se réunir soit chez elles, soit chez des amis, soit chez des femmes à domicile pour euh, faire la présentation en fait du tupéroir, essayer de le vendre et en fait au-delà de ça, elles vont également avoir des discussions informelles en fait relatives à euh, justement euh, ces nouvelles lois pour l'émancipation féminine, sur le divorce, sur la contraception, sur l'avortement et donc finalement toutes les femmes qu'elles aient accès ou pas à ces sources euh, médiatiques, ces sources d'information, qu'elles soient urbaines, rurales, euh, aisées ou moins aisées, finalement, elles vont être touchées par toutes ces évolutions euh, grâce à des passeuses comme par exemple ces démonstratrices Tupéroir. Donc on a vraiment une diffusion de ces nouvelles identités féminines. Et il y a une date qui est connue de tous qui est mai 68. C'est -ce un rôle euh, vraiment euh, important cette date-là. est -ce qu'elle est clé Est-ce qu'il y a un avant et un après mai 68 alors effectivement, mai 68, c'est une date marquante, une date importante, mais souvent, on le voit comme un événement un peu de rupture, une sorte d'évolution brusque pour les droits des femmes mais il faut plutôt l'intégrer dans un processus plus long, c'est-à-dire dans la décennie des années 60, qui font vraiment cette transition entre les années 50, où on a vraiment cet apogée du mariage, des grossesses non désirées, et puis les années 70-80, où on a, comme on l'a vu, cette dépénalisation de l'avortement, de la contraception, et puis, euh, par exemple, la reconnaissance du viol comme crime. Donc, on voit que finalement... Cette décennie des années 60 permet d'appréhender autrement la sexualité, notamment pour les femmes, de l'inscrire dans leur quotidienneté, notamment grâce au cadre légal. On parle des femmes et les filles, est-ce que l'éducation change aussi Est-ce qu'il y a des évolutions dans les programmes scolaires Alors effectivement, dans ces années-là, dans les années 70, on a euh, de nouvelles réformes qui vont justement créer de nouvelles filières, de nouvelles options, euh, dans le but, bien sûr, toujours honorable de diversifier les savoirs, mais malheureusement, le revers de la médaille, ici, c'est surtout que ça va maintenir un écart dans les différences euh, de genre entre filles et garçons. Finalement, l'école va finir par refléter les divisions du monde social. Euh, on a euh, des séries F et G qui sont créées pour le baccalauréat, c'est à dire des séries de sciences médico sociales et euh, de techniques administratives secrétaires qui vont surtout canaliser les filles et puis des séries C et M, c'est à dire maths physique et maths et sciences techniques qui vont surtout euh, être euh, être accaparées par les garçons. En fait. Et donc, en 64, quand on a justement le nombre de bachelières qui, pour la première fois, va être supérieur au nombre de bacheliers en France, on peut se dire que c'est une évolution marquante, il faut le souligner. Mais néanmoins, il faut quand même prendre du recul en se disant que, malheureusement, les diplômes des filles ne vont pas être équivalents aux diplômes des garçons. Souvent, elles ont des diplômes qui sont plus dévalués, voire peu adaptés au marché du travail. Effectivement, par exemple, on a l'exemple de... Euh, certains centres d'apprentissage qui continuent à faire apprendre la couture en fait aux filles, alors que la conjoncture économique euh, à cette époque-là en fait, elle fait qu'il y a une forte régression, une forte diminution de l'industrie textile et de l'habillement. Donc on voit que c'est pas du tout adapté euh, au niveau euh, du marché de l'emploi ces diplômes-là. Finalement en fait, on peut dire que l'instruction a un effet euh, paradoxal parce autant ça stimule le travail féminin, l'emploi féminin. Autant ça va avoir cet effet de censure en euh, canalisant, restreignant les filles dans des secteurs déjà très féminisés, qui vont finalement se féminiser davantage. Euh, voilà, mais on a euh, une évolution des mœurs. Et ce qui est assez symbolique et marquant, c'est euh, notamment cette reconnaissance du statut des femmes, euh, ce besoin de faire évoluer les choses et euh, les mentalités, puisqu'en 1974, sous Giscard d'Estaing, on a quand même un premier secrétariat d'État à la condition féminine qui est créé, qui est confié à la journaliste Françoise Giroud. Malheureusement, euh, il y a un manque de moyens et euh, de soutien politique, et donc elle va devoir rapidement euh, abandonner. Mais euh, voilà, on a quand même des choses qui progressent. Malgré tout, est-ce que symboliquement, ça aurait eu un effet quand même sur la place des femmes sur le marché de l'emploi oui, effectivement, dans les années 70-80, on, on a hum, quelque chose d'assez marquant, c'est que l'emploi féminin, il va se stabiliser, il va rester stable, alors que la conjoncture, que le contexte, il n'est pas du tout favorable en, en général, puisqu'on a du chômage et une récession économique importante. Et pourquoi, en fait, il va se stabiliser, c'est qu'on a différents facteurs plutôt positifs. On a une augmentation du niveau d'instruction des femmes. Euh, de nouvelles attitudes face au mariage, au divorce euh, des femmes. On a une augmentation du nombre d'emplois publics qui emploient surtout des femmes. On a également une scolarisation précoce des enfants, donc les femmes vont pouvoir, qui elles euh, avaient surtout en charge le foyer, vont pouvoir progressivement aller euh, plus rapidement travailler. Et puis on a un modèle positif de la femme active dans la société, elle n'est plus mal vue euh, dans les mœurs. Et malheureusement, il y a aussi un facteur qui est plutôt assez négatif, mais qui permet cette stabilisation de l'emploi féminin, c'est le fait que euh, les emplois précaires augmentent fortement. Et euh, ces emplois précaires, ils concernent surtout les femmes. Et puis, il faut aussi euh, regarder euh, la réalité, même si effectivement, on a une croissance de l'emploi féminin, elles ont progressivement gagné une part dans ce marché de l'emploi important, euh, elles restent tout de même, même encore à l'heure actuelle, sujettes à des discriminations soit direct, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un salaire ou un titre moins élevé qu'un homme pour le même niveau de qualification ou euh, le même travail, ou alors de la discrimination indirecte, c'est-à-dire qu'on va octroyer des avantages aux hommes alors qu'elles ont le même emploi et le même salaire. donc, voilà. et puis, il y a autre chose d'assez important à souligner, c'est que cette image de la femme entreprenante qui est véhiculée par les médias, notamment, qui réussit, euh, voilà, dans, professionnellement, facilement, euh, il faut se garder en tête en fait qu'elle n'est pas généralisée à l'ensemble à des femmes puisque euh, pour la plupart d'entre elles, elles vont quand même être concernées par des secteurs déjà limités et puis des emplois précaires. Euh, voilà donc c'est important de souligner aussi l'envers du décor. Mais finalement donc ce qu'on a pu voir ici dans cette première partie, on peut dire qu'il y a eu des avancées pour les droits des femmes dans ce XXe siècle qui ont été marquantes euh, et extrêmement importantes au niveau juridique, familial, corporel, scolaire, professionnel. Euh, et c'est pour ça qu'on parle souvent de trois vagues du féminisme pour marquer ces moments forts. On a euh, la première vague qui est au XIXe. Euh, la seconde vague qui est après mai 68 dans les années 70 et une troisième vague encore après au milieu des années 90. Et ça relate vraiment, c'est vraiment symbolique pour montrer qu'il y a des moments forts dans cette avancée, cette évolution pour les droits des femmes, mais aussi des moments plus latents où euh, ces avancées vont être freinées, ralenties par le contexte sociétal, la guerre, etc. Donc voilà, euh, on voit que cette évolution, elle euh, s'effectue ouais, au fil de, des vagues en fait. Et euh, mais que elle est loin d'être euh, finie tant il y a encore de liberté à, à conserver et à acquérir. Ensuite, on va poursuivre avec une seconde partie euh, que je voudrais traiter. C'est le rôle de la mode vestimentaire qui n'est pas anodin. Euh, justement, ça va permettre aussi bien l'émancipation corporelle des femmes qu'une émancipation symbolique puisqu'elles vont acquérir au travers de ces vêtements un pouvoir symbolique en les mettant sur un même pied d'égalité que les hommes. Et pour cette partie-là, euh, je me fonderai euh, totalement sur les travaux de Christine Barr, qui a fait deux ouvrages importants, qui est euh, L'histoire politique du pantalon, mais également Ce que soulève la jupe, et puis un article écrit par Aurélien Chèvre et Jean-Nicolas Renaud sur euh, le vêtement sportif féminin durant l'entre-deux guerres. Mais comment est-ce que le vêtement peut entraver la liberté finalement Alors, Effectivement, euh, au-delà de l'émancipation, les vêtements peuvent brimer justement cette liberté corporelle. Euh, on a deux exemples assez marquants. Je m'inspirais du 19e siècle où on a par exemple la mode du corset. Donc euh, le corset qui était à la mode pour euh, chez les femmes justement former, forger cette silhouette euh, en sablier avec une taille de guêpe. Mais euh, ce n'était pas du tout anodin, en fait. C'est que ça comprimait tellement le corps féminin que ça engendrait des problèmes de santé, aussi bien physiques euh, au niveau de, de problèmes dorsaux, musculaires, de peau, même des descentes d'organes, euh, mais aussi des problèmes de santé psychologique pour les femmes qui portaient ces corsets-là. Et puis, au-delà du corset, on a aussi, au même siècle, au 19e, une robe longue traînante qui était à la mode, notamment chez les bourgeoises, qui. Euh, pouvait provoquer beaucoup plus d'accidents, de noyades, mais aussi euh, d'accidents de, de tramway. Euh, et même, ça pouvait les empêcher en fait d'évacuer lors d'incendies. Justement, je vais peut-être vous relater l'histoire euh, du bazar de la charité, de cet incendie à en 1897. Ou euh, justement dans le cadre d'une vente pour des œuvres caritatives à Paris dans un lieu clos un bâtiment fermé euh, il y a un feu qui euh, démarre dans ce bâtiment là euh, cette œuvre enfin euh, ces œuvres caritatives qui réunissaient surtout des bourgeois et des bourgeoises euh, lorsque le feu prend, euh, le bâtiment s'enflamme assez vite et les hommes qui avaient des cannes et des pantalons pouvaient s'enfuir beaucoup plus rapidement, sortir du bâtiment, tandis que les bourgeoises qui portaient des robes longues, traînantes, avec beaucoup de tissus euh, très encombrantes, en fait, elles ont eu énormément du mal, de mal à euh, sortir du bâtiment. Euh, et puis leur robes, en fait, avec des tissus euh, fortement inflammables, prenait feu et puis les encombrait pour fuir. Et, euh, et avoir des mouvements amples en fait pour sortir du bâtiment. donc on voit que malgré tous ces risques et ces dangers euh, liés à ces vêtements le corset la robe longue on a tout de même encore et toujours euh, dans ce siècle mais euh, encore à l'heure actuelle des réticences pour faire évoluer cette mode féminine cette mode vestimentaire féminine parce qu'en fait on a fortement cette peur de l'indifférenciation des sexes on a peur de plus pouvoir différencier en fait les hommes et les femmes et que cette différence ne soit plus visible euh, distinctivement au travers des vêtements et donc euh, par contre on a quand même des choses qui vont progressivement changer. Et un des facteurs qui va permettre ce changement-là, un de ces catalyseurs, c'est vraiment le sport. Puisque, effectivement, dans les années 20, euh, l'activité physique, c'est ce qui va permettre aux vêtements, même de la mode quotidienne, de se raccourcir, de se rendre plus pratiques, beaucoup plus courts, beaucoup plus simples. Et donc, euh, on aura, par exemple, des bourgeoises qui vont euh, porter ces vêtements plus pratiques, plus simples pour le ski, le golf, le tennis, l'équitation. Et donc progressivement, ça va euh, impacter la mode quotidienne et faire évoluer ces vêtements-là. Mais comment est-ce que justement ce changement dans la façon de s'habiller est sorti du milieu uniquement sportif Effectivement, bah, là, ça touche, cette évolution euh, de l'activité physique va toucher euh, une évolution de la mode quotidienne. Mais effectivement, dans les années 30, on a une séparation en fait de cette mode sportive qui va vraiment se techniciser, euh, se spécialiser et donc se séparer de la mode quotidienne, mais euh, quand bien même le sport aura impacté cette mode quotidienne en termes de changement vestimentaire. Et euh, justement, quand vous parlez de, de mode quotidienne, on peut parler de deux vêtements qui sont assez marquants au niveau symbolique genré, c'est vraiment le pantalon et la jupe, où on a effectivement ces deux vêtements qui vont cristalliser et qui cristallisent encore à l'heure actuelle des tensions assez marquantes. On a, euh, si on parle du pantalon, par exemple, à l'heure à, à, à laquelle je vous parle, on a encore affaire à l'ordonnance de la préfecture de police de Paris de 1800, qui n'a jamais été abrogée, qui interdit aux femmes de s'habiller en homme, de s'habiller en pantalon. Et malgré sa désuétude, elle n'a jamais été abrogée. Euh, malgré le fait que euh, certains députés l'aient demandé, euh, finalement, elle n'a jamais été abrogée. Mais finalement, tout le monde le fait. Tout le monde porte des pantalons. Oui. Finalement, oui. On, on, on est passé au-delà, c'est totalement désuet. Mais euh, ce qui est marquant, c'est qu'elle est encore écrite dans la loi. Quoi. Euh, et puis on a, euh, vous, vous vous en souvenez sûrement dans votre jeunesse, euh, jusque dans les années 70, on a euh, l'imposition de la jupe à l'école. On est obligé de porter la jupe, euh, sauf en hiver, en cas de temps très froid, on a le droit de mettre un pantalon sous la jupe. Donc voilà, on a... Euh, euh, et jusque dans les années 70 en fait. Donc c'est assez, euh, assez marquant. En fait l'école ça va rester cette institution qui va imposer euh, ces normes et cette distinction de genre aux garçons aux filles au travers de l'habillement. Et progressivement quand même le pantalon va s'imposer mais il faut plusieurs étapes. On a par exemple tout au long du 20e siècle ces jalons-là. On a au début du siècle, euh, dans les années 20, la mode de la garçonne. Cette mode de la garçonne où certaines femmes vont oser pour se placer sur un pied d'égalité vis-à-vis euh, -vis des hommes, vont oser euh, se couper les cheveux, ce qui était inenvisageable à l'époque pour une femme, porter le pantalon, etc. Mais même la plupart des féministes, en fait, rejettent ce modèle de la garçonne à cette époque-là, parce qu'elles ont peur de bousculer l'ordre hétérosexuel, l'ordre de la société en place à cette époque-là. Et puis, euh, dans, lors de la Seconde Guerre mondiale, progressivement, les femmes vont adopter le pantalon, notamment pour aller à l'usine ou dans l'armée. Et puis, à la Libération, en 1945, on a progressivement les golfeuses qui portent le pantalon, les cyclistes qui portent la culotte cycliste, et puis certaines vont même oser euh, le jean. Et puis finalement, dans les années 50, des stars vont populariser, euh, des célébrités, des personnalités politiques vont populariser ce pantalon-là. On a Brigitte Bardot, par exemple, etc. Et puis finalement, les années 60, où on a une véritable percée du pantalon, aussi bien dans la haute couture que dans le prêt-à-porter. On voit bien l'importance du symbole du pantalon dans l'avancée des droits des femmes. D'ailleurs, dans de nombreux pays, euh, les femmes n'ont pas le droit encore de porter des pantalons. C'est exact, oui, tout à fait. Aujourd'hui, euh, au Soudan, euh, une femme risque 40 coups de fouet pour porter du pantalon. Euh, donc on voit bien que, effectivement, c'est vraiment en fonction des lieux et des époques qu'on voit que cette symbolique vestimentaire va totalement varier et changer. Euh, en Occident, par exemple. Euh, le pantalon était interdit au début du XXe siècle parce que justement on trouvait qu'il dévoilait ce corps féminin. Alors qu'aujourd'hui, euh, euh, au contraire, on va le privilégier parce qu'on a plus l'impression qu'il cache et voile ce corps féminin. Donc voilà qu'on a vraiment en fait une inversion des valeurs. Euh, Aujourd'hui, en fait, en tant que fille de femme, on va se battre pour porter la jupe. Euh, alors que au milieu du XXe siècle, on se battait pour porter le pantalon. C'était l'inverse. Comment ça se battre pour porter la jupe ben, tout simplement. Par exemple, les filles à l'école aujourd'hui elles mettent un pantalon pour éviter ces regards, ces remarques sexistes. Quand elles portent la jupe, elles n'osent plus forcément porter la jupe. Et en fait, elles ont affaire à un conflit totalement paradoxal entre l'influence médiatique qui les pousse à porter la jupe pour suivre ces normes de féminité, être soi-disant plus féminine, alors qu'elles sont face également à des incitations à porter le pantalon face à toutes ces remarques et ces humiliations sexistes. Et c'est tellement en fait dans l'actualité. Que en septembre dernier, en septembre 2020, on a encore eu cette affaire avec des établissements scolaires qui interdisaient euh, le port de certaines tenues, euh, vêtements trop courts, des jupes trop courtes, des hauts trop courts pour les jupes. Donc voilà, c'est totalement d'actualité encore à l'heure actuelle. En fait, on est en train de culpabiliser les femmes, les victimes en fait de ce système de genre, de euh, porter euh, la jupe, de, de devoir contrôler leur tenue, euh, plutôt que de condamner ceux qui vont humilier ou qui vont faire ces remarques sexistes, il faudrait au contraire euh, justement éduquer les garçons à ne pas réagir et à ne pas euh, sexualiser ce corps féminin, considérer le corps féminin comme un objet de sexualité, et puis faire évoluer les mentalités et les médias pour éviter justement cette hypersexualisation des corps féminins dans la publicité, euh, dans les films, euh, etc. Donc finalement. Euh, on ne peut pas généraliser euh, cette histoire de la jupe et du pantalon à toutes les jupes à tous les pantalons puisqu'il y a tellement de tailles de formes de longueurs différentes de coupes euh, que voilà on ne peut pas euh, généraliser mais néanmoins on voit que ce qui est assez marquant là dans ce qu'on a raconté c'est que on a toujours cette lutte euh, des femmes pour disposer librement de son corps. Au milieu du XXe siècle, c'était pour porter le pantalon. Aujourd'hui, c'est pour le port de la jupe. Et finalement, on n'est pas encore arrivé à cette libre disposition de son corps, ce libre choix de, de, du vêtement qu'on a envie de porter euh, en tant que femme, sans pression sociale ou sans pression de la société. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui. Nous allons aborder l'art du langage, euh, cette, euh, ce rôle que va jouer l'art du langage justement dans cette quête euh, d'émancipation et d'égalité. Euh, ce n'est pas anodin. Et justement, on va euh, ici se baser sur le compte-rendu d'Héloïse Michaud concernant le livre Grammaire non sexiste de la langue française de Michael Lessard et Suzanne Zakour. Et également de l'article de Itsuko Fujimura, qui a, a écrit l'article La féminisation des noms de métiers et des titres dans la presse française. Oui, c'est vrai que c'est un sujet très clivant, euh, très très marquant, que ce soit du côté des progressistes ou des conservateurs d'ailleurs, et même des femmes préfèrent rester directeur plutôt que de devenir directrice. Alors qu'est-ce que ça change euh, en réalité bah effectivement, oui, la, la langue évolue et continue d'évoluer. En fait, on a cette volonté de féminiser la langue française parce que, en fait, la langue, les mots vont forger nos façons de penser, nos représentations mentales, notre manière de voir le monde et la société. Forcément, on va, peu, on va poser des mots sur euh, ces images qu'on a, ces représentations qu'on a de la société et ça joue forcément sur nos façons de penser. Euh, et donc, changer le langage, changer les représentations, c'est finalement pouvoir changer la société et ce système de genre. Euh, et puis au final, la langue française, euh, comme je l'ai dit, elle continue d'évoluer, elle a toujours évolué. Et on avait par exemple des termes féminisés qui étaient présents dans la langue française jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, euh, jusqu'à ce que la langue se masculinise en fait. On a euh, supprimé à ce moment-là les suffixes. E-S-S-E, euh, -S -S -E, donc s -E, euh, qu'on mettait à la fin des professions, comme par exemple peintresse, poétesse, philosophesse, qu'on a totalement supprimé Et en supprimant cela, en fait, on invisibilise les femmes aussi bien dans ces métiers-là que dans ces domaines-là. Donc voilà, et puis on a. Donc finalement, la langue française, elle s'est masculinisée, et à l'heure actuelle, euh, on a différentes règles qui vont s'appliquer. On a la règle du masculin générique, où on utilise le masculin pour désigner une fonction seule, par exemple une offre d'emploi pour un médecin, on utilisera le masculin. Euh, on a la règle du masculin pluriel, euh, pour désigner un groupe d'hommes et de femmes, on utilise le masculin. Euh, il peut y avoir 100 femmes euh, et un homme dans ce groupe. S'il y a un seul homme, on va dire il au pluriel et non elle. Et donc, en fait, on a, euh, et même à l'école, en fait, du coup, on apprend cette euh, règle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Ce n'est pas anodin, ça inculque quand même cette représentation de la supériorité du masculin qui l'emporterait, en fait, qui euh, serait euh, supérieur au féminin. Euh, mais cette règle, en fait, elle, elle n'a pas toujours été de vigueur. Euh, au contraire, en fait, jusqu'au XVIIe siècle, on utilisait l'accord de proximité, c'est-à-dire qu'on accordait, en fait, euh, le mot qu'on doit qualifier avec le genre le plus proche dans la phrase. Euh, par exemple, les hommes et les femmes sont invisibilisés. Invisibilisés, avec l'accord de proximité, je le mets au féminin pluriel, puisque femme est plus proche d'invisibiliser comme. Euh, voilà, par exemple. Mais malheureusement, donc en 1647, on a le baron, un des premiers académiciens, Claude Favre de Vaugelas, qui déclara que le masculin semblait plus noble que le féminin. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on euh, met en place cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin qu'on apprend toujours aujourd'hui à l'école. Euh, et finalement, on a euh, quand même des évolutions qui sont marquées. On a la féminisation des noms de métiers qui progressivement se met en place et qui s'accélère, par exemple, dès 1998 dans la presse écrite. Euh, mais euh, certains domaines restent en retard, notamment le domaine académique. Euh, cela est imputable au fait qu'on a de fortes résistances euh, de l'Académie française qui veulent justement euh, maintenir un bon français, entre guillemets. Donc pour eux, un bon français, finalement, c'est-à-dire une langue qui est beaucoup plus masculinisée. Il y a beaucoup de femmes à l'Académie française Alors justement, c'est une bonne question. Il y en a très peu, euh, en tout cas par rapport aux hommes. Euh, la première a été Marguerite Sursenard et euh, ce qui est encore plus marquant, c'est qu'on a euh, les femmes qui étaient en fait euh, empêchées ou interdites plutôt d'entrer dans l'académie française, d'accéder à ce statut d'académicienne jusque dans les années 1980. Et il y a des nouvelles règles maintenant qu'on voit apparaître parfois à l'écriture inclusive par exemple mmh. Exactement, oui. Pour euh, féminiser cette langue, il y a, il y a différents processus. Euh, vous avez parlé justement de l'écriture inclusive, où on va rajouter un point milieu à la fin du mot pour rajouter le féminin et euh, le pluriel de ces deux mots. Par exemple, artisan, euh, je mets point e, point s, c'est-à-dire qu'on met euh, artisan, artisane et leur pluriel. On a aussi l'écriture, on peut écrire les termes masculin et féminin dans leur ordre alphabétique. Au lieu de faire « il » et « elle », souvent c'est ce qu'on écrit « vont au marché », on va écrire « elle » et « ils vont au marché » parce que « elle » commence par un « e » et « il » par un « i ». Donc forcément, c'est dans l'ordre alphabétique. Euh, voilà, il y a différentes choses pour faire évoluer. Et euh... est-ce qu'on commence à le voir vraiment dans la presse écrite ou dans les romans, ces nouvelles façons d'écrire Alors justement, euh, il y a certains magazines comme Cosette qui vont euh, l'utiliser, cette écriture inclusive. Et puis, il y a euh, des romans qui vont être écrits en écriture inclusive, quelques-uns. Et euh, certains vont même réécrire des œuvres culturelles en écriture inclusive. Donc euh, voilà, les choses progressivement Évolue évoluent petit à, à petit. Oui, exactement. Et, et donc finalement, euh, la langue française euh, considère finalement cette masculinisation comme une évidence, comme si le masculin symbolisait le neutre, la neutralité, alors que... Euh, dans nos représentations mentales, ce n'est pas le cas quand on dit il, on voit derrière un homme, on voit pas une femme dans nos représentations. Euh, par exemple, euh, je parle du mot avocat. Quand je vous parle d'un avocat, vous imaginez un homme, vous imaginez pas une femme derrière. Et c'est d'autant plus important pour les générations futures puisque en tant que petite fille, euh, le métier qu'on va projeter de faire va dépendre également des représentations qu'on en a, des mots. Euh, une petite fille s'imaginera bien plus facilement sage-femme, que auteur, puisqu'on utilise beaucoup moins le mot autrice pour désigner une femme auteur. Donc euh, voilà, c'est vraiment important de féminiser cette langue française pour inclure les femmes euh, dans les mots, dans la langue, mais également et surtout dans nos représentations mentales pour changer les mentalités et finalement changer la société. On peut dire qu'en France, il y a donc eu de grandes avancées, quand même pour les droits des femmes. Et est-ce qu'on peut dire que si les lois sont importantes, toutes celles que vous avez citées au début de, de votre conférence, les représentations culturelles le sont tout autant finalement alors effectivement, pour conclure, c'est exactement ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une évolution au niveau des aspects juridiques et législatifs qui ont permis de faire acquérir cette égalité devant la loi entre les femmes et les hommes, mais on a également des évolutions de la mode vestimentaire qui ont permis d'acquérir cette libre disposition de son corps en tant que femme, et enfin cette évolution du langage, de la langue française qui permet de faire évoluer les mentalités, les représentations pour acquérir une certaine égalité euh, au-delà des lois et du, donc concernant le corps et puis aussi les mots, les représentations, les mentalités. Mais finalement, euh, à l'heure actuelle en tant que femme, on peut encore mourir pour le simple fait d'être une femme, c'est ce qu'on appelle un féminicide et donc euh, on a par exemple en 2020 97 femmes qui sont mortes de féminicide euh, en 2020. Euh, donc c'est assez euh, marquant et choquant. Et ce qu'on peut dire, c'est que justement, le féminisme, ben, donc, il va encore rester d'actualité pour lutter contre ces inégalités, contre ce système de genre. Et il faut continuer à faire évoluer les mentalités, faire évoluer la société pour finalement aboutir à cette égalité femmes-hommes. Merci beaucoup, Hélène Klein. C'était vraiment passionnant. Et je suis sûre que les résidents ont beaucoup de questions pour vous. Ben, merci à vous. Retour dans le studio Domitis. Nous avons une première question d'une résidente ici à Rennes. Madame, nous vous écoutons. J'ai été étonnée dans votre conférence de ne pas entendre les discussions qu'il y a eu il n'y a pas tellement longtemps sur le genre. Vous savez, il ne faut pas habiller les garçons en bleu, il ne faut pas habiller les filles en rose. Et ça a été quand même assez important puisque même des éditeurs de livres scolaires pour le jeune âge, avait eu discuté de cette, de ce, cette question Les questions de genre Effectivement, alors euh, tout à fait, j'ai abordé euh, cette question euh, du genre euh, en parlant de système de genre sans forcément définir euh, et délimiter cette notion-là. Euh, et euh, vous avez tout à fait raison, il y a quelques années, il euh, y a eu cette controverse avec euh, euh, ces éditeurs pour l'éducation nationale qui avaient euh, voulu intégrer ces. Euh, on parlait alors de assez négativement, euh, une connotation assez négative de théorie du genre. Et euh, justement, en fait, on avait peur euh, qu'en enseignant euh, cette socialisation genrée, toutes ces notions, euh, euh, même en, en sciences de la vie et de la terre, on avait peur en fait que euh, les, les femmes et les hommes euh, euh, se soient plus distinctifs en fait. Toujours comme... cette peur en fait de ne plus différencier les hommes des femmes. Exactement, c'est exactement la même chose et en fait c'est juste que c'est très mal compris euh, quand on parle de théorie du genre, euh, je pense que c'est pas assez bien expliqué. Euh, au final le genre en fait ce qu'il faut comprendre d'un point de vue sociologique, euh, c'est Béréni et collaborateurs qui le définissent comme ça, comme un système en fait, euh, dans la société qui va produire en fait une bicatégorisation euh, euh, des hommes et des femmes. Donc qui, en fait ce, sera, ce seront deux groupes, euh, deux catégories qui vont être produites par ce système de genre dans la société. Et en fait euh, c'est une question d'éducation et de socialisation. Euh, c'est exactement ce que disait Simone de Beauvoir. Euh, on ne naît pas femme, on le devient. Ben, c'est exactement ça, c'est cette question d'éducation. On va progressivement nous éduquer, euh, mmh. nous socialiser à être une fille ou un garçon. Et ce, euh, même avant la naissance, quand les parents apprennent le sexe de leur bébé, ils vont projeter... Cette, euh, ce, cette représentation sexuée sur leur bébé. Ils vont déjà préparer la chambre en euh, la peignant selon une couleur qui est propre à un genre particulier, en choisissant des jouets, euh, des meubles, des, des doudous propres à cette représentation-là. On a les catalogues de jouets qui ont encore euh, cette forte euh, disparité entre. Euh, le coin-fille avec les poupées, euh, les machines à repasser, euh, la vendeuse, et puis les garçons qui sont encore euh, dans, dans ces, ces jouets d'action, euh, de jouer au médecin, au docteur. Voilà, donc on voit qu'il y a euh, vraiment cette euh, catégorisation euh, euh, qui se fait via la socialisation euh, dans l'enfance, euh, dès tout petit, mais qui continue tout au long de la vie par des sollicitations. Euh, on voit même que rien qu'au niveau des espaces de jeux pour les enfants, euh, on a vu que euh, c'était des 13 et Simon qui ont montré que voilà il y avait des territoires genrés, une euh, géographie genrée, où on a euh, les filles qui vont être plus souvent amenées à jouer à des jeux d'intérieur, à l'intérieur, au domicile tandis que les garçons sont plutôt sur des espaces plus grands à l'extérieur, sur des terrains de foot, il y a une spatialité plus grande par exemple. Merci. Alors nous avons une question qui nous a été posée par euh, donc, euh, une résidente toujours de Rennes. Donc, quelle est l'importance du manifeste des 343 de 1971 donc, Vous l'avez abordé tout à l'heure. Elle trouve qu'on euh, pourrait en parler un petit peu plus. Euh, alors effectivement, le manifeste des 343. Alors, euh, pour tout vous dire, euh, au début, ça s'appelait même le manifeste des 343, alors je ne sais pas si ça va être censuré ou pas, des 343 salopes, parce qu'on euh, voyait ces femmes-là comme des femmes qui ont osé faire ce délit d'avortement, euh, qui étaient totalement hors la loi et qui euh, cassaient cette éthique euh, liée à cette interdiction de l'avortement. Et donc, en signant ce manifeste, elles allaient au-delà... Euh, d'une confrontation à la loi, elle se confrontait à la société et aux mœurs, aux mentalités en vigueur. Et ce manifeste-là, il a donné une visibilité à, euh, au fait qu'on pouvait euh, avorter, euh, que l'avortement pouvait concerner tout le monde, toute femme, euh, et que euh, c'était pas forcément, enfin, c'était même pas forcément choisi. Euh, ces femmes qui avortent, euh, elles le font. Euh, par, euh, parce qu'elles n'ont pas le choix. Euh, et euh, souvent, comme ce n'était pas dépénalisé en France, elles devaient aller à l'étranger. Euh, ou alors des médecins euh, risquaient leur carrière pour les faire avorter. Mais euh, ça pouvait être aussi euh, dans des conditions euh, euh, peu médicalisées, où elles risquaient leur vie. En fait, souvent, quand elles se faisaient avorter, c'était... Euh, euh, en grattant euh, l'utérus avec des cintres, enfin voilà, elles risquaient vraiment leur vie, donc une hémorragie, et finalement euh, ça pouvait s'infecter comme c'était pas stérile, donc elles finissaient par euh, mourir de cet avortement-là. C'est pour ça qu'on a dépénalisé l'avortement, pour qu'elles puissent le faire dans des conditions euh, médicales, stériles, sûres pour leur santé, euh, voilà. Et donc ce manifeste-là, finalement, c'était pour montrer que, en n'étant pas anonyme, en étant une foule de femmes importantes, 343, euh, en le publiant dans un magazine, c'était pour montrer que voilà, c'est un sujet qui ne doit pas être tabou, c'est un sujet de société qui concerne toutes les femmes. Finalement, à un moment donné, les lois n'ont plus le choix, en fait, elles sont obligées de s'aligner à, à la réalité, à ce qui se fait vraiment. C'est ça. Finalement, les lois doivent suivre les évolutions de la société. Euh, et là, c'est assez important vis-à-vis -vis de la libre disposition de son corps, d'où l'importance des manifestes et des manifestations, etc. Merci. Une résidente euh, présente dans le studio de Métis a également une question pour vous, Hélène Klein. Oui, c'est en ce qui concerne aussi l'éducation des enfants euh, dans les années 20-30. Hein, euh, euh, C'était la mère qui, beaucoup qui s'en occupait parce qu'à ce moment-là, la femme ne travaillait pas. Le père lui... Partait à son travail, il ramenait la paye, c'est tout. Au fond, il ne s'occupait pas des enfants. Euh, moi, je me rappelle, c'était surtout la mère qui s'occupait des enfants. Quand on rentrait de l'école, on en avait des devoirs à faire et c'était la maman qui s'occupait de tout à la maison. Au fond, euh, le père, c'était comme ça. Où ça a changé, euh, c'est à la Libération, après la guerre. Alors là, lui, là, moi, je me rappelle, il y a eu du changement quand même, là, euh, à pas mal de points de vue euh, de liberté, disons. Et vous disiez que les bah, enfants ne pouvaient pas bah, s'exprimer. les enfants séparés, enfants à table. Moi, je me rappelle, on parlait pas. On avait pas le droit. Que maintenant, les enfants sont beaucoup plus libres, même de poser des questions aux parents que nous, on n'aurait jamais osé poser des questions. Merci pour votre pour votre intervention. Donc finalement, le fait que les enfants puissent s'exprimer davantage dans les familles, est-ce que ça ouvre aussi des perspectives de discussion sur ces sujets de genre, de sexisme, etc. Alors effectivement, oui. Il euh, y a une libération euh, de la parole progressive euh, et cette relation parent-enfant qui a totalement changé euh, et effectivement donc les enfants ont pu euh, peut-être avoir plus l'occasion et la liberté euh, de parler de sujets qui étaient peut-être encore tabous comme vous l'évoquiez avant sur euh, les règles, les menstruations euh, en tant que femme. Euh, voilà, donc c'est des choses qui pouvaient être plus facilement euh, exprimables euh, pour les enfants avec leur mère, euh, même si ça reste encore, même encore à l'heure actuelle, un sujet encore euh, qui n'est pas, euh, pas encore vu comme totalement euh, euh, libéré, si on peut dire, entre guillemets, euh, puisque ça reste encore euh, assez caché euh, par les femmes elles-mêmes. Mais effectivement, cette relation parent-enfant, euh, prise dans ce contexte sociétal qui évolue, a contribué justement, oui, à, à faire évoluer ces tabous-là. Merci. Et une dernière question euh, qui nous a été euh, posée aussi. Alors, si on ne tient compte que des féminicides et des viols, peut-on dire que la condition de la femme est toujours inférieure à celle de l'homme par rapport à la première moitié du XXe siècle Alors, euh, personnellement, je ne suis pas une spécialiste et je n'ai pas les chiffres là euh, pour comparer. Euh, au niveau des statistiques, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a, en termes de reconnaissance euh, de ces euh, féminicides, on a évolué euh, en termes de symboles et de reconnaissance, puisque euh, c'est assez récent qu'on pose ce mot de féminicide sur ces meurtres de femmes, du fait qu'elles soient des femmes. Euh, alors qu'avant, on évoquait euh, justement des, des drames passionnels, des drames conjugaux, des drames familiaux. Euh, dans la presse, c'est encore même le cas euh, actuellement, pour justement euh, mettre sous le coup de l'émotion et un peu du romanesque ces, euh, ces meurtres de femmes et presque déculpabiliser euh, ce meurtre de femmes de la part du mari. Donc euh, voilà, c'est assez récent qu'on qu pose enfin ce mot de féminicide sur ces meurtres de femmes, euh, ce qu'on ne posait pas avant euh, sur euh, ce qui se passait au XXe siècle. Euh, donc on a une reconnaissance, euh, mais au niveau des chiffres, euh, je euh, ne peux pas vous répondre. Et pour terminer, une dernière question. Euh, le féminisme, le mot peut faire peur euh, aujourd'hui. Euh, il fait peur à certains et on parle même des féminismes. Alors pourquoi ce pluriel Qu'est-ce qu'il regroupe bah, effectivement, oui, on parle des féminismes parce qu'il y a différents courants euh, de féminisme. Il n'y en a pas qu'un seul. Euh, être féministe, c'est trop général. Euh, certains euh, se voient plutôt comme euh, différentialistes, enfin voilà, universalistes. Donc on a différents types de courants euh, féministes. Et puis surtout, ce qui a souligné à l'heure à actuelle, c'est l'interdisciplinarité. Il faut que... En fait, à l'heure actuelle, on n'observe pas le féminisme que euh, sous cet angle des rapports de genre. On euh, le recoupe aussi avec la stigmatisation euh, euh, des handicaps, euh, des personnes en fonction euh, de leur origine, euh, en fonction euh, de leur classe sociale. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut recouper avec d'autres types de discrimination. Merci beaucoup, Hélène Klein. C'était vraiment passionnant. J'espère que ça vous a plu euh, tout autant euh, chez vous. Merci beaucoup d'avoir euh, suivi ce studio Domitis. On se retrouve bientôt avec euh, un nouveau sujet. Merci beaucoup. Au revoir.